vas a tu malade, as-tu des pensées sur moi? Dis-lui, en cet instant, tu viens tout déposer à ses pieds. Tu viens tout déposer, tu viens t'abandonner complètement, tu ne retiens rien. Seigneur, nous ne retenons rien du tout, Seigneur. Nous te donnons tout, Seigneur. Nous te donnons nos vies, Seigneur. Nous te donnons notre vieillesse, nous te donnons tout, Seigneur, toute notre vie, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur, comme Moïse l'a fait, Seigneur. Il a tout déposé à tes pieds, Seigneur. Il a jeté son rein souci à l'Éternel. Pour te servir, pour te suivre, toi le grand Dieu, à tes pieds, Seigneur. Nous voilà, Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Nous venons tout te donner, Seigneur. Je donne ma maison, je donne mes enfants, je te donne mon mari, je te donne ma femme, je te donne tout, Seigneur, de moi. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous te voulons, Seigneur. À chaque fois, à chaque instant, Seigneur. Seigneur, nous soupirons après toi, Seigneur. Comme David a dit, mon âme soupire après toi. Mon esprit en moi te cherche, oh Dieu. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Et à l'Ingala, nous déclarons, nous disons, mon témalagé ton dinaposa na yon zabe. Comme je suis à proclamer, il a dit ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, moi aussi, et mes bien-aimés qui sont là branchés, nous déclarons, nous allons te suivre, nous allons te servir.
La vie, la donne en abondance. Le Seigneur amène la vie dans tous les départements de ta vie. Je voudrais inviter quelqu'un à inviter son Yamba Yesu. Son pour Yamba est un invité. Mais je voudrais seulement te dire que Jésus est le bon choix pour toi. La Bible déclare que crois au Seigneur, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, pas seulement toi, mais et toute ta famille. Accepte Jésus aujourd'hui. Il est le bon choix. Et tu ne vas jamais regretter de faire ce choix-là. Vers le début, nous avons dit que personne n'est digne. Quand tu te promènes, notamment, il y a des autres qui disent que nous sommes basalakati, tout ça. Mais laisse-moi te dire que Dieu existe et il est réel. Moi, je suis le produit de l'amour de Dieu et de sa bonté. Il existe, mes bien-aimés. Accepte Jésus dans ta vie, tu verras. Tu feras des grandes choses avec le Seigneur. Tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras la vie en abondance. Jésus est le chemin qui nous mène vers les pères. Alors bien dit, mon côté comme on a papa, c'est bien l'équité naïe. Tu veux voir le ciel, mais il faut passer par Jésus-Christ. C'est simple, il a dit à ceux-là qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ne suffit que de proclamer la parole. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Viens, prends la place du roi dans ma vie. Je te fais le sauveur de mon âme. Pardonne toutes mes fautes et transgressions. Lave-moi par ton sang précieux. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Et bien voilà, tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Dieu est bon, cherche-toi une église où tu vas aller grandir dans la parole. C'était bel et bien la servante du Seigneur, Laurette KND. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.